Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Parcasaurus qui est un jeu dans lequel vous allez gérer votre parc d'attractions de dinosaures. Vous avez là une alternative qui est un petit peu plus mignonne que Jurassic Park, vous allez même d'ailleurs retrouver pas mal d'éléments de gameplay en commun. Donc on va démarrer une nouvelle partie et on va aller le plus loin possible dans cette vidéo. On va faire une partie standard, mais vous pouvez personnaliser vos parties et éventuellement vous allez avoir accès au scénario. Mais je ne sais pas si ce mode va être disponible dans la version qui va être publique lors de la sortie officielle. Donc on y va, on va garder le tutoriel parce qu'il me fait marrer et je vais pouvoir vous montrer des choses que je ne vais peut-être pas pouvoir aborder dans une partie normale. Donc en avant, et là on a un petit peu d'histoire. Alors vous affolez pas pour l'histoire. Donc dinosaure dans fusée, dinosaure s'écrase sur la terre, dinosaure sur terre. Voici l'histoire s'étouffe. Voilà, alors on est parti. Hop, Dan Park. Voilà, on met un K bien entendu. Et on va avoir des petites fiches comme ça pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Je vais vous lire les deux premières, mais on va s'arrêter là. Après, je vais les passer rapidement parce que c'est de la traduction Google et parfois ça fait vraiment rire. Alors, commandeur Oli, ici. Il est agréable de vous rencontrer, humain. Bienvenue dans votre premier parc de dinosaures. Je vais chercher les moyens que nous pouvons améliorer le bien-être de nos amis de dinosaures. Mais tout d'abord, navigation autour de votre parc est facile et important. Essayons. Donc, en avant. Donc, alors, navigation est important et facile. Voilà, on zoom, on dézoome et on bouge la caméra. Tac, 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 voilà. Donc là, ils vont maintenant m'expliquer comment faire les enclos de dinosaures. Alors, une nouvelle fiche. La dernière, je vais vous lire. Votre première pièce. Science officer Lucas se rend au travail. Il est presque temps de rencontrer votre premier dinosaure. Je suis tellement heureux de voir leurs fonctions de diaphragme, piston, hépatique, sans aide dans cette atmosphère. Exposition son où vivent vos dinos. Vous concevez les pièces pour répondre aux besoins de vos dinos et augmenter le bonheur de dinos. Sélectionnez le clôture en bois pour construire une exposition. Ouais. Ok, donc voilà. Voilà pourquoi je vais les passer. Donc là, on va passer au mode de construction. Très facile, très bien fichu, même si c'est probablement un des meilleurs aspects du jeu, c'est un des plus clairs, parce que vous allez voir, je trouve que les menus sont trop brouillons. Ok, donc là, c'est fait, le premier enclos a été fait, ils ont reconnu ça comme un enclos, et on va mettre une petite porte pour que mes gars puissent rentrer, on va essayer de la mettre... Ouais, je pense que là, c'est le milieu. Très bien. Et bon boulot. Alors, on va passer, construire une boîte de dons. D'accord, donc on va aller là, et la boîte de dons est ici. Pour le moment, on va te la poser là. Parfait. Donc, alors, les dons dans ce jeu, c'est magique. J'ai eu des jours où j'avais genre 4500 de dons, et avec la vente de tickets, la vente de la marchandise et des services, j'ai gagné 400. Donc, j'ai gagné plus de 10 fois en don ce que j'ai gagné en... Voilà. Donc, alors là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un tricé. Donc là, j'ai le choix, comme dans Pokémon, vous choisissez le vôtre. On va choisir un tricé. Très bien. Et donc, on va le placer. Donc, on a un petit inventaire, ici, dans lequel tout va, donc la nourriture et tout. Donc, une fois que vous placez le dino là, on va pouvoir maintenant savoir ce qui est attendu de la zone. Donc, de l'enclos, plutôt. Donc là, ils veulent que j'aille acheter des plantes pour le nourrir. Ben, on y va. Donc, on va acheter 6 plantes. Mais je vais également demander... de faire une livraison. Allez, attends, voilà, une livraison journalière. Donc tu vas m'en envoyer 4 par jour pour le moment. Ça coûte moins cher d'avoir la livraison que de le commander sur le moment. Oui, ok, très bien. Donc, on revient là, ici, et on va mettre de quoi nourrir le petit dinosaure. Non, c'est là-dedans. Donc c'est un herbivore. Donc tout comme dans Jurassic Park, vous devez mettre quelque chose qui va permettre de distribuer la nourriture. Et les dinosaures vont avoir tendance à tourner autour. Donc si vous avez un grand enclos et que vous voulez qu'ils aillent partout, il faut mettre des distributeurs de nourriture un peu partout. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ils veulent que je loue un vétérinaire. Bah on va louer le vétérinaire, donc c'est parti. Donc alors on va devoir choisir en fonction de la vitesse de déplacement et ses compétences. La personnalité je pense c'est pas utile pour un vétérinaire, mais bon, ok. C'est pas très clair, parce que quand vous mettez vous voyez, la souris, la fou elle sert pas à grand chose. Ok, on va prendre toi. On l'a loué, parfait. Et là, on va le voir, il est ici. Et vous pouvez cliquer sur lui pour voir son chemin. Parfait. Donc là, il va devoir aller nourrir là-bas. Et là, ouais, je peux cliquer ici pour faire éclore l'œuf. Mais il n'est pas encore prêt à... On n'est pas prêt à accueillir le dinosaure là tout de suite. On va devoir préparer l'enclos parce que là, il va être... Il va péter un câble. Oula, j'ai... Il va péter un câble sinon. Ok. Du coup... Donc là, on va ouvrir le volet d'exposition. Donc on double-clique ici, et on sait qu'il veut, que ce dinosaure-là veut un biome d'herbe. Donc on vient là, et on va donc, hop, tac,
et on passe à la forêt. Par contre, le dinosaure là, le tricé, veut une forêt amazonienne ou tropicale, je sais pas trop quoi. Donc on va devoir augmenter l'humidité. Mais là vous avez un graphique, donc on est là. Il faut que j'augmente l'humidité pour arriver dans le carré là. Et par exemple, si jamais le gars voulait un biome taïga, il aurait plutôt fallu que j'augmente l'altitude du biome. Oui, hein. Ok. Donc là, on va devoir transformer le biome de forêt à forêt tropicale, même si c'est mal traduit. Donc on vient là, on vient là, on va choper de l'eau. Donc vous pouvez mettre de l'eau profonde ou de l'eau standard. On va mettre de l'eau standard et je vais en mettre un petit peu partout plutôt que de juste faire un lac. La raison est que bah, certaines plantes vont avoir besoin d'une source d'eau proche, hein, donc d'humidité. On n'est pas encore... Si là on est bon, mais je vais quand même rajouter au centre un petit peu d'eau. Voilà, on est ici, c'est bon, mais je n'ai pas fini. Il me faut de la biodiversité qui est indiquée par ces petites barres. Donc je vais aller là, j'ai besoin d'arbres. Donc, on va en poser. Ok, on est bon, on va avoir besoin de buissons. Voilà, et on va avoir besoin de cailloux. Et on est bon. Et donc là, j'ai répondu à tous les besoins du dinosaure, en tout cas pour le moment. Enfin, les besoins là, j'en ai d'autres encore. Très bien. Et là, c'est le moment d'ouvrir le parc. Mais avant de l'ouvrir, on fait clore l'œuf. On vient ici. On ouvre le parc. Le prix du ticket est de 5$. Je pourrais l'augmenter si je voulais, si je veux, mais je préfère qu'il y ait plus de gens qui viennent. Hein. Et on va devoir également s'occuper de l'entretien de notre petit endroit. Donc on va engager un concierge. Et donc là, on veut quelqu'un qui se déplace vite et qui ait des compétences. Déplacer vite pour pouvoir aller aux différents endroits. Hein, ok, donc c'est toi le mieux. Ok, embauché. Parfait. Et donc maintenant, le petit concierge. Voilà. Alors, là, vous voyez, avoir 1 sur 3 concierges propres ordures. Au début, je pensais que ça voulait dire qu'il voulait que j'ai 3 concierges. Donc dans ma première partie, j'en ai engagé 3 et j'avais l'air un peu bête là. Ok. Et, ah oui, là, on va devoir le déplacer. Tac, paf, voilà, vous êtes content. Et je vais bientôt préparer un autre enclos. Avoir 5 visiteurs. Bah parfait, bah vous allez, je vais vous laisser venir. Alors je suis à 6000 d'argent. Est-ce que je peux poser... Alors on va mettre des poubelles un peu. Voilà. On va mettre des chiottes. Je sais pas si c'est une bonne idée de les mettre. C'est pas grave. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait peut-être des bancs pour les gars. Donc, on va... Tirez-toi là. Et on va poser des bancs. Ça, si vous avez besoin de vous... Alors, toi, tu as quelque chose qui... Ok. Donc, lui, il a besoin de social et il a besoin de jouer. Pour le moment, j'ai pas de jouer. Donc, on va devoir faire un autre dino. En attendant, bah, on attend que les gens arrivent. Et je vais mettre... où est-ce qu'on va te poser? On va faire une... ça comme ça. Ça m'a l'air ok. 1, 2. Qui est un peu plus long, c'est pas grave. De combien? De 1. Voilà, on va faire une petite pièce là. Et donc là, je vends des hot dogs, mais je peux également décider du prix. Épuré. Je fais 9,5 € de dollars de bénéfices par hot dog. Ok, donc maintenant on va accélérer. Donc j'espère qu'il y a un dernier qui va venir, mais ça va probablement pas être aujourd'hui. On va devoir attendre. Ouais, là... Ok, ouais, là on va devoir attendre. Alors là, vous avez vu, le gars, il m'a donné, regardez combien il m'a donné, 18 de dons. Ok, donc là, on attend que la journée suivante arrive, je vais pas dépenser plus d'argent, on est à 4030. Alors oui, au passage, donc ici, on a notre parc, là, on a les magasins, acheter de la nourriture, des légumes, de la viande, on peut faire des dinosaures, on verra pour comment ici, acheter des gemmes, important, la banque est fermée pour le moment, et là on a des chapeaux. Ici j'ai les informations sur le parc où je peux recruter les gens, là on va pouvoir faire des expéditions. Hop, voilà, donc j'ai lancé une expédition.
pour faire chercher des choses. Là, je vais pouvoir dépenser mes points de recherche. Et là, quand les gens aiment mon parc, je vais gagner des cœurs que je vais pouvoir utiliser pour acheter des nouvelles choses. Ok, donc là, ok, on a gagné 124, c'était une petite journée. On passe à la journée suivante. Et on va laisser, alors ouais, les choses se faire. Et on attend qu'on ait notre cinquième visiteur. Ah, bah là, regardez, là, d'un coup. Tac, tac, tac. Là, on en a autant qu'hier. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Louer en sécurité. Ah oui. Là, ça va être un peu cruel, la mission, je trouve. Donc, hop, on s'en va. Sécurité, donc on veut quelqu'un qui va vite et qui soit compétent. Toi. Parce que je veux que tu cours vite aux dinosaures. Alors, on a une livraison ici. Parfait. Et, du coup, ils veulent que j'aille tranquilliser le dinosaure. Donc, on y va. Il a fait. Je sais pas si ça. Ok, bah, là il est en train. Non, il est pas en train de le tranquilliser. On va ralentir. Tu fais quoi la sécurité? Ah, il est là, il arrive, il est juste très lent. Bah, il sort le pistolet, le flingue. Boum. Encore un. Parfait, donc je peux le prendre, il va dans ma caisse, et là ils vont juste me demander que je leur pose, vous voyez, donc là on a juste dû faire, je joue avec, on a dû tester. Ah, et alors ça y est, là, il y a les gens qui sont revenus, mais je vais pas pouvoir tout de suite y aller là, faire la fouille archéologique, on va devoir attendre un petit peu. Je vais devoir construire un bâtiment dédié à la science, et donc on va le mettre là, et je vais devoir recruter au moins un scientifique pour pouvoir faire ma première fouille. Donc on va venir là, on va prendre le bâtiment pour la science, on va poser ici. Hop, on va terminer la route. Parfait, et on va recruter notre scientifique. Donc, aptitude 5, pas mal. Ok, bah ça va être toi. Hop, on t'a engagé. Donc, on va le chercher. Le scientifique, il est où? Il est là. Et ton job va être de faire de la recherche ici. Donc là, vous voyez, il va me faire gagner des points précieux. Donc je vais devoir générer 20 points. Bah tiens, hop, lui il est rapide. Lui il est super rapide comparé au celui que j'avais avant. Donc on va faire nos points de recherche. Et parfait. Donc maintenant, on va devoir ouvrir le portail. Bon, on l'a déjà fait. Et on va devoir creuser. Ah bah il va falloir que je le relance. Donc là, maintenant, je vais utiliser... Alors, on va ralentir pour ça. J'ai des scientifiques, donc j'ai moi. Je fais, vous voyez, j'ai 30 charges où je creuse de 1 trou. Et lui, à 5 charges, il fait 3 trous. Donc, on y va. Donc, hop. Là, je les mets comme ça parce que les choses que je vais trouver font toujours 4 cases. Donc, vous voyez, je laisse qu'un espace entre les deux. Là, je vais trouver de l'argent. Là, je vais trouver un fossile. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Parfait. Donc, je vais devoir... Ici, là, il y a quelque chose. Je vais devoir recruter un autre scientifique parce que là, il me reste 8 charges. Il n'y a rien là-bas. Ok, donc maintenant, je peux creuser plus profond. Et là, j'ai plus de charge. Ok, donc j'ai 3 couches hein, que je peux creuser. Donc là, j'ai fait la première. Il n'y avait rien. Si j'ai suffisamment de gaz, je pourrais aller plus profond. Ok, donc là, on le renvoie. Il me faudra trouver un autre crâne. Donc je les ai renvoyés au même endroit pour le même type de dinosaure. Ensuite, encore un crâne. Acheter un œuf au magasin. Qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, t'es en train d'explorer. Ok. Et on réaccélère. Et donc là, on va voir si mon endroit est suffisamment propre et tout ça. Info. Donc avec le récapitulatif de fin de journée. Et là j'ai gagné 2700. Ouh purée, j'ai gagné beaucoup d'argent là. Beaucoup beaucoup d'argent. Donc là je monte de level en faisant des choses. Ouais je suis level 3. Et je vais avoir en récompense 5 cœurs car les gens ont apparemment aimé mon parc. Donc vas-y. Et l'argent continue à monter. Ça coule à flot. Voilà, fin de la journée. Alors... ou cette fois-ci, c'est les récompenses qui m'ont donné beaucoup d'argent. Et creuser, bah oui, forcément, j'ai trouvé un jeton. Ok, c'est pour ça que j'ai eu autant d'argent. Sinon, j'aurais pas eu autant, j'aurais eu, vous voyez, 400 là.
on va dire 350, et j'ai eu 524 de dons. Okay. Alors ici, alors c'est pour ça que je vous ai dit que l'interface est un petit peu brouillonne. Voilà, donc là on a nos revenus, là on a l'équilibre, ok, on a les frais, mais vous voyez, c'est quoi qui correspond à quoi là? Pourquoi j'ai des frais ici, mais j'en ai pas là? Ouais, bon, on peut comprendre, mais c'est pas génial, non plus, je trouve. Et par contre, il me disait que j'ai gagné 5 cœurs, mais au final, j'en ai gagné que 1 aujourd'hui. Et les gens, le parc était propre, bien rangé, satisfait de la propreté, mais pas de beaucoup. Hein. Donc on va peut-être devoir recruter un autre concierge. De toute façon, il coûte pas cher, donc autant avoir un parc propre que être pénalisé pour une propreté. Donc du coup, concierge, toi, ok, il est raison, on va y aller. Ensuite, scientifique, j'en ai besoin d'un deuxième. Le mieux que j'ai, c'est toi. Parfait. Ok, alors on a une livraison, donc de la nourriture, et regardons, on est à 7 de nourriture, on est pas mal. Ok. Et, ah, le portail est bon, donc on va creuser, et on va tenter de trouver, et là, vous voyez, on a quelqu'un d'autre, alors on va tenter de trouver, oh, non, plutôt comme ça. Ok, on va utiliser toi maintenant. Il y a beaucoup de choses là, il y en a là. Bon, alors on complète, tac, tac. Et là j'ai que deux, je vais pas pouvoir, le finir. Ok, j'ai beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et donc maintenant on va, alors on a lancé pas mal de stégosauriens, là on va lancer des ceratopia. Ok, c'est parti, parce que je vais avoir besoin d'un autre type. Donc on vient là, et on va pouvoir aller acheter, ou plutôt échanger ce que l'on a trouvé contre un triceratops. Ok, ça tombe bien parce que l'autre il avait besoin d'un pote. Et vous voyez, j'ai encore assez pour deux autres tricés si j'en ai besoin. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va aller... on va aller là. Je dois repartir et revenir. Ouais, parce que c'est bizarre l'interface. On va devoir acheter une gemme imparfaite. On va en arrière. Et on va pouvoir acheter un troisième. Parce que je sais que les tricés aiment bien être 3x3. Très bien. Et là, on va devoir déverrouiller... Ah, alors, on a une recherche qui a été faite. Donc, on va déverrouiller. Bah, il demande de déverrouiller ça. Génial, je vais déverrouiller toi parce que je vais en avoir besoin pour faire un nouveau type de dino. Il me reste 100 points, donc le reste je peux pas l'avoir pour le moment. Très bien. Et ils veulent que 20 gars visitent et qu'on atteigne le level 3. Ben, allez-y, alors là, du coup, je vais mettre un œuf de tricé pour le moment. Et même deux, et on va devoir agrandir le parc. Parce que là, si vous regardez, la superficie de 744 feet carrés, et un de mes petits gars demande 600 d'espace, donc on va devoir l'agrandir. Ok, on va ralentir un petit peu pendant que je fais tout ça. On vient là. On prend toi. Alors que je vérifie. Tac. Donc là, on va en faire un. Deux, je pense que ça devrait être bon. Je me dis. Quelle est ta superficie? Ouais, c'est bon, là, ah, il me faut 1200, 1800 en total, et là, on a 1100. Ouais, au total, on a les 1800, ok. Votre expédition est arrivée. Alors, elle va devoir attendre, l'expédition. Maintenant, je vais casser toi. Voilà, alors là, par contre, lui, il n'est pas content, parce que c'est plus le biome qu'il demande. Voilà, donc là il va être... Il a fait une crotte là, il a fait des crottes. Et alors par contre du coup, on quitte, on regarde, il me demande beaucoup plus d'arbres. Donc c'est parti, il me faut les arbres du bon type, donc ceux-là. Ok, on est bon. Des buissons. Ok, des cailloux. On est bon, et maintenant ils ont besoin d'eau. Et on doit revenir à la forêt là-haut. On est bon, et par contre toi,
tu étais déjà là avant et tu es du mauvais biome. Donc lui demande un marécage. Donc je vire, toi également. Parfait. Et avec ça, on devrait avoir une très bonne journée demain. Et on devrait avoir beaucoup plus de gens qui vont arriver. Alors oui, maintenant, toi, on va creuser. Quand j'aurai plus de scientifiques, je vais commencer peut-être à creuser en profondeur. Et de l'argent. 1000, génial. Donc là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Ok, ben on va y aller en profondeur maintenant. Ah, ici, il y en a un. Ah, hey, j'étais en train de creuser. Alors là, 779 de dons, 1000 en creusant, 230 ventes de tickets. Ok, parfait. On a gagné un cœur, on en est à 3. On a gagné 423 points de science. Ok, mais on finit d'abord toi là-haut. Alors, tac. Et je vais devoir creuser une deuxième fois. Parfait. Plus assez de points. Ok, et tu repars à au Ceratosopia. C'est parfait. En avant. Vous allez bientôt être là. Est-ce que je rajoute plus de choses pour eux là-bas? Je ne sais pas encore. Et on attend d'autres visiteurs. Ah, la livraison du jour. On accélère. Et le parking, il n'y a pas... Il y a de la place dans le parking. Hein. Et lui, il se gare là-bas. Okay. Moi, je serais eux, je me garerais là, quoi. C'est juste là. Nulle part ailleurs. Mais bon. Du coup, on est à 5000. Et là, on a d'autres gars. Est-ce que je rajoute des services? Un autre endroit pour les dons ici. On sait jamais. Poubelle. J'aurais peut-être pas dû le mettre là. Parce que si je vais continuer vers là-bas. La lumière pour la nuit. Ok, et là je vais tirer. Ah! Stop! Ok. Il arrive. Ok. Allez, allez! Arrête de me casser mes choses! Voilà! Ok, c'est parce qu'il était tout seul. Voilà. Là, ils sont heureux, ils vont avoir de quoi chat. Je crois que le gars, il va me reconstruire. Ouais, il me reconstruit ce qui a été cassé, donc c'est parfait. Et donc, je vais rajouter du chemin. Parce qu'en fait, les gens ne vont que là. Où il y a bah, du... Où là, ils peuvent marcher. Et ce qui veut dire... Alors, hop. Qu'ils ne vont... Qu'ils vont se concentrer à un endroit, ce que les dinosaures ne vont pas aimer si je leur mets pas, vous voyez, ces chemins. Ok, très bien. Alors, est-ce que j'ai débloqué quelque chose d'autre pour la recherche? On peut débloquer toi. Bâtiment employé et eau intelligente. Alors ça, je l'ai débloqué avant, mais je ne l'ai pas testé. Ah, ça par contre, ça va être utile, ouais. Ça d'abord. Ok. Alors, je vais mettre le bâtiment. Ouais, j'ai de l'argent pour la science. Ici, on va te poser là. Parfait. Et comme ça, mon autre scientifique va avoir du boulot. Voilà, donc là il va faire une petite exposition et quand les gens passent à côté, ils vont générer des points de science qui va me permettre de progresser plus rapidement. Ok, alors, là, est-ce que vous êtes contents? Ah, ils ont besoin de jouer. J'ai pas de jouets pour le moment et ils sont vraiment pas contents du niveau de vie privée. Donc je peux faire d'autres barricades qui génèrent plus de vie privée. Mais bon, alors toi là-haut, creusez. Je vais peut-être recruter un autre scientifique pour me marrer. Et surtout pour vous montrer. Ah vite, je l'ai cassé, j'étais trop vite là.
Alors, boutique de ballon. Voilà. Donc là, le parc est illuminé, ce qui est parfait. Pas complètement, apparemment. Les gars, ils ont pas peur. Hein. Il fait nuit et il y a juste une barrière en bois entre eux et les dinosaures. Voilà. On est à quoi? On va gagner 2300. Alors, je vais... Ah, je voudrais juste voir. On a combien de nourriture en sac? On est à 2 de nourriture. Ouais, là, avec plus de dinosaures, on va devoir en commander un peu plus. On va en prendre une dizaine par jour, 12, donc 4 je suppose. L'expédition est revenue, bon, on se verra ça après. Et du coup, arrière, et je veux... Ah. Voyez, merci les dons, hein. Sans les dons. Et là on est à 6, ah alors je vais peut-être pouvoir dépenser de l'argent, ou plutôt des cœurs. Pour ça... Sinon, je peux débloquer des nouveaux types de dinos, mais là, 30 cœurs, donc on va attendre un peu. Allez, on va mettre des cœurs dans ça, on verra. Et ça, c'est des chargeurs grande viande et grande ribcage. Donc ça, c'est pour des gros dinosaures que je n'ai pas encore. Donc ça ne me concerne pas. La livraison est ici. Ok. Merci. Et on retourne, et je vais voir... Non, plutôt arrière. J'ai 4-3 000... Ok, je vais pouvoir acheter la nouvelle gemme. Et donc maintenant, je peux faire des Styracosaurus. Ils veulent un type de biome alpin. Et de la boue. On va en faire un. Et on va commencer à faire son enclos. Puis on en fera un deuxième et on va le faire là. Alors, l'enclos. Ok. Maintenant, on va mettre de la boue. Vous voyez, vous avez désert, boue, et ça... Ah, ça, ça leur permet d'être... Des zones de confidentialité. Ah, c'est ça qui leur permet de se cacher, c'est ça qu'ils veulent, en fait. D'accord. Non ? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bien ça qu'ils veulent, vous allez pas vous cacher là-bas. Ça, j'en avais jamais mis, c'est pour ça qu'ils arrêtaient pas de râler. Ok, alors les marais. Donc du coup, on va devoir virer ce qui n'appartient pas à ce biome-là. Ok. On va mettre toi, un petit... après. Donc maintenant, ils ont besoin de... Tac. 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 Il a besoin de alpin. Donc là... On va devoir déjà augmenter l'humidité. Ok, on est dans l'humidité niveau alpin. Maintenant, on a besoin de hauteur. On est là, on va aller plus haut. Attention, encore un peu. Ah, ça m'a viré l'eau, donc il faudra... Voilà, on est parfait en alpin, et je vais probablement... Non, non, on est encore, ok, parfait. Maintenant, c'est pas tout, on a besoin d'arbres qui vont bien. Donc. Voilà. Il va me falloir des buissons pour les marécages, donc des roseaux. Il va me falloir des cailloux, cristaux bleus. Rouge. Et voilà, c'est parfait. Donc lui, on est prêt à l'accueillir et les gens demain devraient avoir un nouveau type de dinosaure à découvrir. Ce qui est génial, génial. Et regardez, là, il commence à acheter des ballons de dinosaures. Super. Et on a 2700 dons, donc je vais pouvoir demain acheter. Ah, on a une quête là.
Elle est peut-être là depuis un certain temps, je ne l'ai peut-être pas vue, j'étais tellement concentré. Alors, nous avons un problème. L'un des employés a été déconné dans le laboratoire de science et le portail de temps mal fonctionné. Ok, donc là, on va devoir vendre des hot dogs. Oh, aujourd'hui, j'aurais dû la attendre demain. Ah ouais, bah là, c'est trop tard, je l'ai prise trop tôt. Oh, j'aurais dû attendre demain. Zut. Là, alors, j'espère qu'ils vont pas être bêtes et qu'ils vont me donner 24 heures plutôt que... On va voir ça. Au moins, on est en positif. Alors. Propre, propre. Bravo pour le bébé dino. Les gens, ils sont sévères sur les notes. Hein. Ils sont vraiment sévères. Ok, c'est bon. Ok, alors par contre, je vais diminuer le prix peut-être des hot dogs. On va voir. On va voir si je vais devoir diminuer le prix des hot dogs. Alors, vas-y, éclos. Paf. Et là, on a la nourriture. Ah, et je l'ai pas mis. Lui, je crois qu'il est... Gertrude, c'est ça ton nom? Ah, j'ai mal cliqué, voilà. Ouais, c'est son nom. Il aime les légumes, ok. C'est une fille, il a besoin de quelqu'un, en plus avec lui. Et alors par contre, pour agrandir la taille, ça va être délicat. Là. Il lui faut combien d'espace? Il lui faut 700, et là on a 900. Ok, donc je pourrais peut-être juste, en agrandissant par là, ça pourrait être faisable. Alors on va aller là-bas, on va acheter une nouvelle gemme. Et on va acheter un nouvel... Ah, il me manque... Ok, il me manque encore ça. Mais je crois que j'ai eu une, j'ai une notification. Tac. Alors c'est dommage que je puisse pas les faire tourner. Donc c'est quoi qui me manquait? C'était des têtes ou... Ah, alors là, le problème, si je fais ça, je vais le casser, vous voyez. Voilà. Alors, allons voir. Ouais, on est bon. Ouh, je crois que je l'ai mis là-haut. J'aurais peut-être pas dû le mettre là. Parce que je sais pas s'il va pouvoir descendre. Et du coup... Ok, on va casser. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est lui car il se sent seul, ok. Du calme, mon petit, du calme, on t'amène la compagnie. Voilà. Pourquoi il se sent si malheureux? Ah oui, bah oui, parce que là, j'ai le biome. Alors, biome, marécage, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Voilà. Maintenant, on est à combien? On est à 1500, donc on est bon. Par contre, il me faut plus de d'humidité. Ok, on est dans celui qu'il veut, j'ai pas besoin de rajouter d'autres. Par contre, il me faut maintenant mettre des arbres. Des cristaux d'abord. Ok, buisson. Ah, toujours pas? Purée, il m'en faut beaucoup de buissons. Ah, j'ai pas mis les bons! Bien entendu, je me suis gouré sur les buissons. Ouais, j'ai voulu être trop rapide. Donc on va les virer rapidement. Je me demandais pourquoi la barre n'avait pas augmenté. Ok, c'est ça qu'il me faut. On est bon. Et les arbres. Voilà. C'est fait. Prêt à éclore, du coup. Plus qu'à attendre. En point, on est à 2100, donc on va faire de la recherche. Ah oui, on va prendre ça. Et ça. Panneau d'affichage. Ça, c'est un panneau d'affichage qui va attirer plus de gens. Donc on va le prendre. On va recycler la moitié de nos déchets. Pourquoi pas. Et là, regardez, on va gagner de l'argent.
et vendre 12 hot dogs. Alors, on va baisser le prix des hot dogs, juste pour la fin. Juste 3. Allez-y, 3 hot dogs, s'il vous plaît. Encore 2. Oh, non! Ok, par contre, hein, les dons... Ah, il demande des endroits pour de l'énergie. Ok, on va leur rajouter. Ah, et là, la quête continue. D'accord. On remet le prix à 10. Parfait. Toi, tu peux sortir. Livraison. Alors, toi, tu peux descendre. Ouais. Ah, voilà, génial. Là, ils vont faire... Est-ce qu'il y a un gars et une fille? Non, c'est deux filles. Pourquoi t'es mécontent? Tout a l'air ok, à part le fait qu'il te manque un jouet. Tu veux du jouet, d'accord. Ah, et on a un cœur que l'on peut utiliser pour... On en a 8. Ah, un nouveau type de grillage de clôture. Ou un nouveau type de... Non, non, on peut pas, toi. Ok, nouveau type de grillage. On va le prendre, parce que là, avec le... Allez. Je vais pas te poser. Il me faut retirer l'ancienne, alors que normalement si j'utilise les autres, je peux la poser directement. Ah si, pourquoi l'autre je peux pas? Est-ce que ça me virait la porte? Ah, c'est la porte qui gêne en fait. Ok, ça a l'air mieux ça. Force faible. Visibilité haute. Mais bon, on va moderniser. Je me dis, les gens vont se sentir plus en sécurité que d'avoir un petit truc en bois entre eux et les dinosaures. Ah, voilà, plus moderne déjà, là, hein, quand même. Parfait. Alors, j'en suis à où? Je suis à 800 points de recherche. Est-ce que... C'est quoi, ça? Offre de gel de cerveau. Lumière de la chaîne. Les gens séjourneront plus dans le parc. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Je suis que à 200, là, d'argent. Donc là, je peux pas. Par contre, là... Par contre, les dons pleuvent. Hein. Les dons pleuvent. C'est... ça, c'est... Et donc ça c'est génial, je vais récupérer pas mal d'argent. Mais on va s'arrêter là pour la petite vidéo. Donc merci à vous d'avoir regardé. Si vous aimez comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu pour me faire plaisir. Ce serait génial. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.